Bon, la vidéo est partie, mes biens. Donc, il faudrait mieux que tu évites de parler si tu touches. Mais je peux-tu jouer? Je peux-tu jouer? Désolé, ça va prendre un peu de temps. Tu peux-tu jouer? Oui. Je peux-tu jouer? Oui, mais pas de ta manette. Mais où est-ce qu'elle est? Hé là! Regan, va-t'en de l'écran! C'est pas intéressant. Avoir ton mot du visage. Tiens, prends ta manette. On pourrait baisser un peu ça. Bon, comme vous voyez, ben je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas de Wi-Fi. Puis je sais pas pourquoi ça a une alerte Nuclear Slide. Maudit. Sérieux, c'est vraiment dégueulasse. On dirait peut-être. Ben, mais Gabriel, tu as besoin de faire ça. Pêche sur I. Tu vas être Fallout 3. Là, je pêche. Moi, je. C'est quoi le problème? Pêche, nous. Ça fait. Non, t'as désolé la caméra, j'accroche. Arrête de chanter! C'est pas intéressant pour le monde qui veut regarder. Please, marche. Yes! Où est-ce qu'elle est, ma manette? Tiens. Tu pourrais jouer? Oui. Ouais. On passe à moi sur l'écran en haut. Regardez, il y a Canigou. Je veux voir Canigou. Oh, un petit Canigou. Là, il y a Sanctuary Hills. Là, il y a un bateau de Fallout 4. De Fallout 4. Une autre chose de Fallout 4. Je sais pas. De Fallout 4, je suis pas mal sûr. Cette map-là, en passant, là, c'est pas de Fallout 4, là. C'est qu'ils ont pris plein de choses de Fallout. De toutes les. De plein de jeux de Fallout. Puis là, ils ont mis en 1. Peux-tu voler? Une map. Peux-tu voler? Pèse deux fois sur X full vite. Je vois les choses qui se créent. Regardez, là, il y a le prix de wind. On passe ça, moi, je suis l'écran en haut, là. Où est-ce qu'il y a les grosses cabines? En passant, j'espère que vous voyez très bien, là. J'espère. Ça, c'est de Fallout 3. Où est-ce qu'il y a pas en 4 que moi, je me vois? Dans les cabines. L'écran en bas, là, qu'est-ce que vous voyez, là? Et à l'abri 111. Qui est l'abri de Fallout 4, on sort. En passant, regardez ma série sur Fallout 4, là. Je rentre pas dedans là, je pense pas que vous devriez regarder. Megan, tosse-toi! Fallout 3. Mais comment que je fais pour descendre? Space là. Où tu pèses là?
Oh, moi je m'en souviens de ce cas. C'est quoi? Et vous êtes prête à voir le géant d'acier de l'univers Fallout? Liberty Prime! Qui a une tête de connard. Qui a une petite tête. Donc, on va la remplacer. Pourquoi tu regardes ma caméra? Bon, ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Puis surtout, là, que dedans, là, les nouvelles mises à jour de Minecraft sont... Dans cette map-là, là, Liberty Prime, il n'y a même pas de tête. Il y a toujours la même musique. Mais dedans ça, là, il n'y a jamais la même musique. Maintenant, je vois ce qu'est l'eau. Je pense que je vois. Ici? Papa, je dis à Mathias, baisse le son. Ok, j'ai baissé le son. Et je vais vous montrer une place secrète. Oh. Mais garde, tosse-toi! Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de sur cette map là. Je pense que je vais me donner les time. Ben je pense. Parce que ça a l'air, mais je sais pas c'est quoi faire là. Là. Et voilà, on est dans l'institut. Je suis dans l'institut. Laisse-moi faire. Teinte un lit. Je cherche Canigou. Canigou, là... Oui, où est-ce qu'il... Oui. Regardez, il y a Canigou. On va le libérer, puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Hein? T'es un bon chien, hein? Toi, là. Bon chien. Bon chien. Bon. Gentil. Bon. Méchant. Non, pas méchant. Gentil. Très méchant. Très gentil et adorable.
Ça, c'est censé être une armure restée, mais c'est une armure de combat. Si vous êtes bon là, en Fallout, alors, là, vous connaissez bien Fallout 4. Là, vous savez. Canigou, il est où? Ça, c'est de Fallout 1 ou de Fallout 2, là, je ne sais pas. Canigou? Mais avant de aller à une place, là, c'est ça mon objectif. Oh, gentil Canigou. Est-ce qu'on dit que Canigou, c'est notre chien? Ben, c'est un chien, tu sais. En anglais, il s'appelle Dog Meat. Y a-tu des araignées là-dedans? Y'a rien de fun là-dedans. C'est trop bizarre pour moi. En passant, si vous connaissez pas l'univers Fallout, là, ben, il va vous l'expliquer. C'est que c'est que un monde de tueurs. Tous les pays sont, étaient plus, ils s'aimaient plus, donc ils ont créé la troisième guerre mondiale, qui est une guerre nucléaire. Puis là, ils ont tout détruit la planète. Là, dedans ces jeux-là, on est après la guerre, là, quand tout est défoncé. Moi, là, j'adore l'histoire. Ben, j'aime les jeux, j'aimerais ça comme faire comme une vidéo, là, sur Fallout 1, Fallout 2. Déjà fait une vidéo sur Fallout 3. J'ai trouvé un UFO. T'as-tu vraiment vu un UFO? Ben, dedans, là, je sais, dedans la map, je sais qu'il y en a un, mais je m'en rappelle plus où. Ah, oh, il est là. Regardez, un UFO de Fallout 1 ou de Fallout 2. Aussi, dedans Fallout 1 ou dedans Fallout 2, là, mais il y a... Il y a un empreinte de Godzilla, mais. Puis un gars avec un seul boy qui s'est fait foirer. Mathias, comment que je fais pour voler? Gars, t'es en train de voler, mais c'est juste qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. Tiens. Puis si vous n'êtes pas au courant, mais ce vaisseau extraterrestre-là, il vient de la zone 51. Mathieu, bon, on va s'arrêter là. Bye bye.